tiens, voilà quelqu'un, petit ours brun. Coucou, c'est toi mon copain, petit ours brun. Tu fais toujours ton coquin, mon petit ours malin. Tape, tape dans tes mains, petit, petit ours brun. Petit ours brun à la ferme. Bientôt l'heure du goûter, nounou. Oh non, mon petit gourmand, pas encore. Un peu de patience et je vous fais de bonnes crèmes au chocolat. Ouais. Oh bah, qu'est-ce que je dis, moi? J'ai plus de lait et pas un œuf. Eh ben, je vois qu'une seule solution. On va en chercher à la ferme. À la ferme? Mais pourquoi, il y en a plus dans le magasin? Ah bah si, mais à cette heure-ci, il est fermé. Et en plus, c'est bien meilleur à la ferme. Bah moi, j'ai pas envie d'y aller. La dernière fois avec maman, il y avait des oies trop méchantes qui nous ont attaquées. Il y en a même une qui m'a pincé avec son gros bec. Ah oui? On ne va quand même pas avoir peur d'aller à la ferme. S'il le faut, je vous défendrai contre les oies, les zèbres et les rhinocéros. Il y a tout ça dans une ferme, nounou? Mais oui. Allez, en voiture. Moi, je préfère vous attendre ici. Si les oies méchantes entendent la voiture, elles vont venir nous attaquer, c'est sûr. Moi aussi. Comme vous voulez. À tout de suite. Oh, la petite chèvre, elle est trop mignonne. Pourquoi elle pleure? Je vais voir ce qu'elle a, tu viens? Non, je surveille, et je te préviens si jamais il y a des oies. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Tu trouves personne pour jouer, c'est ça? Biscotte! Viens ici! Salut! Oh, Biscotte, elle tient pas en place! Elle s'appelle Biscotte? Oui, sa mère est partie à la prairie avec les autres. Et elle la cherche partout. Ah, c'est pour ça qu'elle est triste. Je peux la caresser? Oui, bien sûr. Elle adore ça. T'inquiète pas, ta maman va revenir. C'est ma cousine. Mais pourquoi t'as klaxonné? Pardon, mais c'était pour te dire de te pousser. Je voyais pas bien la petite chèvre. C'est malin. Je dois changer l'eau des clapiers. Ça vous dit de venir avec moi voir les lapins? Oh oui! Ça, c'est Pépino. Lui, c'est Pistou. Et là, Jojo. Oh, ils ont l'air trop gentils. Pourquoi il a rien dans sa gamelle, lui? Il a déjà tout mangé, c'est pour ça. C'est un gros gourmand, Jojo. Est-ce que je peux le caresser? Bah oui! Tiens! C'est rigolo, Jojo il est tout doux et tout chaud. À moi maintenant, moi aussi je veux le caresser. Vas-y. Oh, oh non! C'est ta faute! Non, c'est toi qui as retiré tes mains. T'as peur ou quoi? Vous inquiétez pas, Jojo il aime bien se dégourdir les pattes. Hein mon Jojo? Enfants, vous êtes où? On est là, nounou. Bonjour les enfants. Bonjour madame. Alors, on fait la connaissance de Jojo? Touche nounou comme il est doux. Oh, moi tu sais Jojo, je le connais depuis qu'il est tout petit. Bon, on va aller chercher ses œufs. Oh oui. Ah ben dis donc, elles ont une belle maison. Et un autre œuf. Faudrait leur dire merci aux poules. Si tu veux, elles sont juste là dans la courette. Vous pouvez même les nourrir si vous voulez. Oh oui, oh oui. Moi, je vais chercher le lait. Allez, à table.
la caresser, celle-là. Et c'est donc pour voir. Hé, hey, mais n'aie pas peur. Reviens, on va pas te faire mal. C'est moi qui les pince. T'as vu comment elles ont eu peur? Waouh! Oh là là! Il est énorme ce tracteur-là! Et des roues comme ça, j'en ai jamais vu, moi. Tu vas pas caresser le tracteur aussi? Moi, je crois qu'il a envie de monter dessus. Non? Moi? Alors, c'est comment là-haut? Trop bien, on voit très loin, tout là-bas. Et le volant, il est géant. Oui, mais il va falloir rentrer pour goûter, tu sais. Un tracteur. Rires.